commencer le petit quiz. Il fait 9 questions pour info. Et ensuite, une fois que toutes les questions, vous aurez répondu à toutes les questions, on fera un petit débrief sur chacune d'entre elles pour savoir quelles sont les réponses. Et puis, un peu développer chacune des réponses. Mais tout le monde avait bon pour cette question. Du coup, je ne sais pas si on va avoir besoin de beaucoup détailler. En tout cas, c'est chouette de voir que tout le monde est sensibilisé au fait que le dématérialisé, c'est bien un mythe. Donc effectivement, voilà, en moyenne, combien de kilomètres parcourent une donnée numérique, que ce soit un mail ou un téléchargement, une vidéo, une recherche web. La recherche web, c'est peut-être celle dont on se rend le moins compte. Et donc là, effectivement, c'est une moyenne, c'est vraiment bien une moyenne de 15 000 km entre les allers-retours vers les serveurs, etc. Tout ça, ça ne passe pas forcément par le Saint-Esprit. C'est bien des câbles, des stockages sur serveurs, etc. Je ne sais pas si l'un ou l'une des participantes veulent échanger là-dessus, de leur expérience ou quoi, rapidement. Est-ce qu'il y a une corrélation en fait entre la donnée, si on va sur un site par exemple qui est hébergé aux États-Unis, est-ce qu'on va consommer en fait plus et émettre plus de CO2 que finalement si on allait sur un site qui est hébergé en France? J'aurais envie de dire que oui. Après, j'avoue que je ne suis pas experte sur ce point spécifiquement, donc je pense que je vérifierai. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai un site qui est hébergé chez un ami qui est à Tours. Je pense qu'en termes d'impact, c'est moindre, sauf que si on passe par un hébergeur qui, lui, est international et potentiellement, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, j'imagine que ça revient au même, puisque la donnée, en termes de parcours, après, en termes de stockage, par contre, là, ce sera plus local. Et donc, peut-être que... Mais les allées-venues, les transports, je pense que ça revient potentiellement au même. Ça dépend par où ça doit passer, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a l'ADEME qui a fait un excellent document où il parle notamment des mails, mais également des recherches. Et en fait, ils expliquent le parcours que font les mails. Et on comprend bien que ça passe toujours par un serveur et donc à l'international en majorité. Donc, c'est vraiment lié, effectivement, au parcours qui est fait, donc la distance. D'accord, merci. Et c'est, ça a quel impact en fait cette distance-là? Parce que c'est pas une distance, ça consomme quoi réellement? Ça va consommer, c'est l'équivalent un peu d'un stockage, parce qu'en fait c'est un peu comme une vidéo. Une vidéo par exemple en streaming, on va vouloir la regarder tout de suite. On va pas vouloir attendre une minute qu'elle se télécharge. Donc par exemple en streaming, en instantané, ça va faire que les requêtes et les stockages sont faits pour qu'on puisse toujours avoir accès à l'information. Donc, le fait d'avoir ces stockages à plusieurs endroits de la chaîne de transport de l'info, de la donnée, fait que ça va consommer de l'énergie parce que, par exemple, si on prend le cas du serveur, en fait, c'est comme une grosse machine électronique qui va avoir besoin d'être refroidie, d'être alimentée en électricité. Et tout ça, ça va en fait émettre, si on parle que d'émissions de CO2, mais pas que, en tout cas, consommer de l'énergie. Alors, en moyenne, combien de matières premières sont mobilisées pour produire un ordinateur portable de 2 kg? Donc, en fait, c'est 800 kg de matières premières pour produire juste un petit ordinateur portable. Ce qu'on entend par les matières premières qui sont utilisées pour cet ordinateur, c'est tout ce qui tout ce qui est extraction de matières premières. Il faut 70 différents matériaux pour fabriquer un téléphone portable, par exemple. Et en fait, il faut imaginer que on va avoir besoin, si on parle que d'extraction de matière, on va avoir besoin, c'est comme pour l'or, en fait, on va avoir besoin d'extraire plein de matières pour pouvoir en retirer celles qui nous intéressent, par exemple. Et en fait le reste ça va être potentiellement des déchets ou des choses qu'on utilise mais qui ne seront pas dans le produit fini. Voilà ce que ça veut dire pour essayer de faire court. Alors ce qui est du coup le pourquoi on voulait vous présenter cette question, c'est le fait de s'interroger sur le renouvellement en fait, de tous ces matériaux là de tout, ce matériel en fait, ordinateur, téléphone portable, tout le matériel qu'on peut avoir et qui génère en fait derrière énormément de déchets
qu'en plus derrière on ne sait pas forcément recycler. Parce que comme le disait Corinne, par exemple derrière un téléphone portable, quand on a 70 matériaux différents, ils sont tous fondus les uns dans les autres. Enfin, autant dire que voilà, en fait, on ne peut clairement pas recycler ces 70 matériaux. Donc l'idéal c'est de faire prolonger la vie de ces outils le plus longtemps possible. Voilà, donc essayer de les faire réparer, et puis quand c'est plus possible, c'est se tourner peut-être vers des outils qui sont réparables, hein, puisqu'aujourd'hui, heureusement, on a de plus en plus d'acteurs de la transition écologique qui se mettent à créer des entreprises vertueuses et qui proposent, comme le Fairphone par exemple, qui font en sorte que l'extraction des ressources qu'ils utilisent, par exemple, soit faite de façon la plus éthique possible, par exemple, et que la majorité de leurs composants soient réparables, soient échangeables. Donc ça, c'est une petite grande victoire, on peut dire même. donc l'objectif c'est de prolonger la vie le plus longtemps possible. Ça fonctionne pour tout évidemment, mais en particulier on va dire pour le matériel numérique, parce que derrière ça produit aussi énormément de déchets électriques, électroniques, qui font en plus, tu m'arrêteras Corinne si tu veux rajouter quelque chose ou si je me trompe, il y a l'équivalent de 70% de ces déchets qui font l'objet d'un marché illégal. Quand bien même on a l'impression de mettre notre vieux téléphone au bon endroit pour qu'il soit recyclé, comme je vous dis, enfin vraiment entre guillemets. En fait, il n'est pas dit qu'il ne puisse pas finalement finir sur un marché illégal où en fait il va être à un moment donné enfoui, ou il va finir au Ghana dans les décharges gigantesques de matériaux numériques ou ailleurs en Asie. C'est vraiment catastrophique. Et là où on a l'impression que bon, nous on n'y est pour rien, en fait, si on y est clairement pour quelque chose, si on peut garder avec soi en fait. Enfin, faire vivre le plus longtemps possible et pas remettre sur le marché un autre matériel. Ouais. C'est mieux. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, je me permets de rajouter un point qui, moi, m'a choqué. Qui m'a étonné, on va dire, c'est qu'en France, dans les statistiques, hein, encore une fois, ce sont des moyennes. On est, il y a 88, il me semble que c'est 88 le chiffre fourni par l'ADEME, 88% des Français qui changent de téléphone alors que l'ancien fonctionne encore, en fait. Et ça, moi, je trouve ça dingue. Et c'est potentiellement parce qu'en fait, les personnes ne savent peut-être pas où aller réparer ou comment réparer. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus pour vous faire participer un peu quand même? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez où aller si vous devez réparer une pièce de votre téléphone, même si ce n'est pas un Fairphone, en fait? Parce qu'il n'y a vraiment pas que le Fairphone. Oui. On peut acheter d'occasion, on peut faire réparer. Est-ce que vous, c'est simple pour vous? Ça vous paraît simple et accessible comme action? Pas forcément, je trouve. Enfin, moi, je me pose souvent la question. Dernièrement, j'ai changé de téléphone. Ça faisait déjà quelques années que je l'avais, mais je l'ai changé parce que l'appareil photo fonctionnait très mal et j'en avais besoin pour mon activité. Je l'ai quand même recyclé. Hein. Il sert à la maison à une autre personne, hein. Mais pour autre chose que faire des photos, en fait. Mais oui, en fait, le faire réparer, je ne sais plus si je m'étais renseignée, mais c'est souvent ou compliqué ou beaucoup plus cher. Je vais vous raconter juste un petit retour d'expérience rapide, personnelle. Par exemple, récemment, j'ai eu un souci de téléphone qui était tombé dans l'eau. J'ai beau l'avoir sorti rapidement et j'ai fait effectivement, par exemple, sur Montpellier, plusieurs boutiques de réparation. Et ils n'engagent pas toujours à la réparation, en fait, parce qu'ils mettent en avant le côté économique. Et c'est bien dommage. Mais en fait, effectivement, souvent, c'est par le bouche à oreille, etc. Et sinon, après, quand on a vraiment besoin d'acheter un appareil qui est neuf. Et sinon, après, souvent, dans ces boutiques-là, il y a aussi des téléphones d'occasion qui sont à vendre et souvent qui sont beaucoup moins chers, en fait, que des neufs.
Donc moi, j'étais à deux doigts d'en acheter un neuf, et en fait, il s'avère que mon téléphone, j'ai eu de la chance, a fait sa résurrection le lendemain, quoi. Mais après, il y a des trucs et astuces aussi, voilà, c'est changé. Et malheureusement, des fois, on est obligé de changer, mais rien que le fait d'avoir l'exercice d'aller chercher, c'est déjà bien plus que 98% des Français potentiellement qui changent de téléphone juste parce qu'il y a une petite rayure sur l'écran. Quoi. Une des problématiques, je pense, majeures par rapport à tout ce qui est justement numérique et notamment les téléphones, c'est l'obsolescence esthétique et le fait que ce soit en fait passé de mode et qu'il y ait un nouveau produit qui sorte encore plus high-tech. Et puis c'est vrai que le ne serait-ce que le prix de la batterie est aussi cher que quasiment que le portable, donc forcément on est attiré pour changer le portable, quoi. Et puis le fait de réparer une vitre, une glace qui se casse, ça aussi ça devient très cher, et bien sûr le coût économique est logique, que ça freine beaucoup de gens, et c'est pour ça que on incite ceux qui ont entre guillemets les moyens de le faire, d'aller vers ces solutions-là. Mais après, il en existe aussi des moins chers, les reconditionnés avec le back market, etc., qui souvent ne sont pas beaucoup moins chers. Mais bon, en regard de l'impact, c'est quand même pas négligeable. Si à prix équivalent, on a un reconditionné qui marche aussi bien qu'à neuf, voilà, après, c'est vraiment c'est de l'arbitrage personnel. Après, hein, mais voilà, c'est un choix à faire. L'occasion, c'est vraiment, c'est facile de trouver parce que, en fait, par exemple, pour des anniversaires ou des Noël, il y a des gens quand même qui se font parfois, en fait, sans faire exprès, se font offrir deux téléphones parce qu'ils avaient dit à leur entourage qu'ils voulaient un nouveau téléphone et ils en ont deux d'un coup, quoi. Donc, ouais. Nous, avec ma soeur, on avait trouvé il y a 2 ans nos téléphones comme ça d'occasion sur le Bon Coin. Et nickel, là, ça fait peut-être 2 ans et demi qu'on les a. Et ma sœur a changé là récemment parce que le sien était mort, mais elle a pris un nouveau sur Back Market. Et c'est vrai que pour réparer un téléphone, je trouve que c'est dur parce que moi j'ai une mauvaise expérience avec un charlatan. Mais là par contre, pour l'ordi, mon copain sa batterie est morte d'ordi, et il en a trouvé une vraiment pas trop chère sur internet. Et comme il se dit qu'il va essayer lui-même, ça revient pas trop cher de faire réparer son ordi finalement, de 50€ pour changer la batterie. Par rapport à changer tout un ordi, c'est sûr que là, ça, c'est intéressant pour les ordis, peut-être. Oui. Après, peut-être, quand on sait, en fait, ce que ça coûte en dehors du coût argent, en fait, qu'on va mettre dans l'outil, quand on sait ce que ça coûte en ressources et parfois aussi juste en conditions humaines, avec tous les matériaux qu'il y a derrière et l'extraction des minerais qui se fait dans des conditions exécrables, notamment par des enfants. Après, je pense qu'on peut aussi réfléchir différemment et essayer en tous les cas d'arbitrer en fonction de tout ce qu'on met à plat et se dire je peux le faire réparer même si ça coûte un peu plus cher, ou je le fais pas parce que en fait vraiment financièrement c'est trop compliqué, et du coup arbitrer vraiment en connaissance de cause quand on a vraiment toutes les billes en main, c'est plus évident, je pense, pour arbitrer dans un sens ou dans un autre. C'est une question déchets, tout déchets confondu, un Français produit en moyenne chaque année. Donc, la bonne réponse, vous le voyez, c'est 568 kilos par an, selon l'ADEME, sachant que c'est un peu variable, on va dire, chaque année, mais ça tourne à peu près autour des mêmes chiffres. En fait, ça entend les déchets à la fois recyclage, tout ce qu'on peut mettre au compost, ça entend les déchets ménagers, c'est vraiment tout confondu, 568 kilos par Français et par an. Donc c'est vraiment énorme. Et donc derrière ces déchets-là, il y a, comme on le disait tout à l'heure, ça marche pareil pour ces déchets-là comme pour les outils numériques, il y a des déchets cachés qu'on estime à 12 tonnes par Français et par an. Consommation de déchets cachés. Donc c'est vraiment faramineux à ce niveau-là.
Ça reprend un peu ce qu'on disait sur les téléphones. Il faut imaginer que les déchets qu'on voit, qu'on jette dans nos poubelles tous les jours, c'est un peu la partie qu'on voit à la surface d'un iceberg. Et tout en dessous, la majorité, c'est voilà, tout ce qui est lié à la fabrication, le transport, le packaging. Même dans une boutique zéro déchet, hein, il y a des packagings en amont. C'est juste que ce n'est pas nous qui les avons dans nos poubelles et qui sont un peu réduits. Pourquoi on calcule le compost là-dedans? Pourquoi c'est compris? On met le compost parce qu'il y a plein de gens qui n'en font pas. Et donc, qui jettent leurs En fait, donc, du coup, c'est pas... Moi, par exemple, si je mets 50 kilos par an dans mon composteur, c'est pas calculé là-dedans? Non. C'est les déchets de... Oui, si jamais il y a des gens qui jettent du compost dans le sac poubelle, les ordures que le gars ramasse. Exactement. Comme c'est le cas de tous les gens qui n'ont pas de compost. Et justement, la question suivante sur le compost. Donc, on a effectivement un tiers de notre poubelle, enfin de ce qu'on jette, qui pourrait être du compost. Donc, ça peut aider peut-être certaines personnes à se projeter dans l'utilisation d'un compost. Après, c'est vrai qu'en appartement, je pense que c'est plus compliqué qu'en maison. Et encore, voilà. Mais après, moi, je n'ai pas l'expérience d'un appartement, donc peut-être Corinne, peut-être ton expérience de compost d'appart. Je pense que c'est juste une question d'organisation. Oui, je pense aussi. Question d'Éléonore d'avant. Pardon, je t'ai coupé, Alain. Je dis quand on veut faire un effort ou s'organiser pour, on peut le faire facilement. C'est ça, c'est beaucoup de volonté, donc il faut quand même être un peu motivé. Et l'ombricompost, voilà, donc pour ceux qui ne sont pas véganes, ça fonctionne. Ça marche très bien. Après, il faut vraiment faire attention. N'hésitez pas à aller vous former sur comment on fait attention à son lombricompost. Je ne sais pas pour Toulouse. À Montpellier, il y a une association qui est géniale qui s'appelle Composton et qui fait des formations gratuites sur comment, voilà, que ce soit sur leurs réseaux sociaux, etc. Et ouais, j'allais venir Marie pour quand on est en appart ou même en maison, en fait, il peut y avoir des composteurs collectifs, que ce soit par quartier, par pâté de maison. Et dans les appartements, moi, l'autre jour, je me promenais et j'ai vu qu'il y avait plein d'immeubles. Et juste à côté, il y avait un petit parc où il n'y avait strictement rien à part un banc. Et clairement, tous les immeubles d'à côté pourraient faire 2-3 composts ici. Et après, c'est l'organisation, c'est avoir un petit seau chez soi, un petit récipient et voilà, descendre son compost. Mais effectivement, pour la mise en place de composteurs dans des parcs comme ça, c'est se rejoindre avec la copropriété, voter, etc. C'est des choses qui se font, qui peuvent se faire facilement, d'autant plus aujourd'hui et d'autant plus en période électorale où les maires et compagnie vont être très motivés pour faire des petites choses comme ça normalement. Il faut en profiter. Oui, à Toulouse, on a effectivement, enfin des, comment ça s'appelle, hein, il y a peut-être Marie qui pourra m'aider. C'est Humus et Associés. Merci, Humus et Associés à Toulouse, qui forme notamment justement, au fait de comment faire son compost, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, comment ça fonctionne. Et puis ensuite, effectivement, dans les collectivités, on a des composteurs collectifs. Où on va avec sa petite poubelle de compost qu'on va déverser. Et voilà, ça fait aussi du lien social dans son quartier, donc c'est intéressant. Alors, quel âge ont en moyenne les cochons qui sont ensuite transformés pour nos assiettes, pour ceux qui en mangent? Du coup, 6 mois, pardon. Donc, il y a la plupart des joueurs qui ont répondu 3 ans. Donc ouais, c'est une moyenne encore une fois, mais en tout cas ça montre voilà. J'avoue que c'est un sujet pour lequel je suis un peu sensible, donc j'ai un peu du mal à en parler, mais en tout cas voilà, c'est juste pour mettre en avant le fait que voilà, la durée de vie, l'âge en moyenne maximum d'un cochon, c'était 25 ans, c'est ça Cécile, hein? J'ai plus le chiffre, non, 15. J'ai 15 ans, moi, en tête. 15 ans, ouais, pardon, j'ai confondu. Donc, c'est vraiment une différence qui n'est pas négligeable. Et c'est, voilà, c'est encore une fois. Après, c'est chacun sa sensibilité, mais c'est assez fou de se dire que, voilà, au bout de six mois, potentiellement, les petits bébés cochons sont mangés dans nos assiettes. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je pense que c'est en majorité dans les industries un peu.
intensive, mais ça n'enlève pas, ça n'enlève pas l'atrocité de la chose. L'atrocité, non, dans tous les cas, les... en fait, c'était pour mettre en avant le fait que bah, tous les animaux quoi, qui se transforment, qu'on transforme en viande, ils sont de toute façon abattus très jeunes par rapport à leur espérance de vie. Même les vaches laitières, elles vivent jamais jusqu'à l'âge qu'elles pourraient vivre si elles n'étaient pas laitières. Donc voilà, c'était un peu. Enfin, moi je sais que par rapport aux cochons, par exemple, ça m'avait particulièrement frappée parce que 6 mois, ben, on a l'impression que ce sont des bébés et bon, visiblement pas, hein, ils ont la taille suffisante pour faire un bon jambon. Entre guillemets bon. Et, mais ils pourraient vivre 15 ans. Et je trouve ça assez, assez frappant en fait de se dire que voilà, bah, du coup, avec cette agriculture-là et le fait que. Même les agricultures qui ne sont pas intensives, un animal ne va jamais vivre jusqu'à 15 ans parce que ben, voilà, et plus il va vivre et plus il va coûter cher à l'agriculteur au final. Et s'il a la bonne taille pour faire du jambon, ben, on ne va pas le laisser manger plein de céréales alors qu'il peut être vendu comme ça. Quoi. Une petite parenthèse avec les vaches que tu as citées. Pour le côté laitier, alors je sais que être végétarien, c'est déjà un gros step pour beaucoup de gens. Mais je voulais juste rappeler que en fait, ben voilà, les vaches laitières, donc déjà, elles ont leur petit veau qui leur est enlevé quasiment dès le début. Effectivement. Et en fait, une fois qu'elles sont trop fatiguées au bout de quelques temps parce qu'elles ont donné du lait toute leur vie, elles sont abattues pour être transformées en viande derrière dans nos assiettes également. Donc, c'était simplement pour, voilà, si vous ne le saviez pas déjà, prendre conscience que bah, voilà, l'industrie laitière, c'est un peu c'est un peu, et l'industrie de la viande derrière, c'est les deux faces un peu d'une même pièce en fait. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et voir, voilà, quand on mange du fromage, bah, que c'est... Voilà. Disons que c'est pas pour vous pousser à ne pas en manger, etc. Mais un peu prendre conscience de la valeur que ça a, le prix que ça a en termes d'éthique. Quoi. Allez, on passe à la question 6. Donc, sur la question 6, quelle proportion d'énergie globale mondiale consommée est issue des énergies fossiles, qui sont donc le pétrole, le gaz et le charbon. Vous êtes 5 à avoir répondu 82% et 4,66%. Donc, effectivement, c'est bien 82%. Ça signifie qu'on est extrêmement dépendant en fait aux ces énergies fossiles. Et qui sont, qui sont évidemment des ressources qui sont finies. Et qu'on consomme de façon complètement irraisonnée au quotidien pour la moindre chose en fait, pour le moindre déplacement, le moindre matériel qu'on utilise, le moindre meuble, on a besoin de ces énergies fossiles. Notre société en tous les cas a besoin de ces énergies fossiles. C'est quand même assez dingue de se dire qu'on repose à 82% sur ces ressources-là qui vont finir ne plus être. Hein. Le pétrole notamment, ça a mis des millions d'années à se créer et nous, on est en train de vider la planète de cette ressource-là en l'espace de quelques dizaines d'années. Voilà, donc pour des solutions là-dessus, elles sont multiples, j'allais dire, mais en même temps, faudrait les mettre côte à côte, chacune d'entre elles, et que tout le monde puisse agir de cette façon-là. Mais le fait de consommer local, hein, ça aussi, ça a de l'importance. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent avoir de l'importance dans le fait de moins dépendre de ces énergies fossiles. Les leviers d'action pour ça va être principalement pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat. Il est bien mis en avant dans ce jeu de cartes les activités humaines qui
vont mener à la consommation d'énergie fossile. Et ça va être pour que vous vous imaginiez, vous, quel levier d'action vous pouvez avoir. C'est l'industrie, donc les choses nouvelles qu'on achète, on en a déjà parlé, le transport, l'agriculture, donc ce qu'on mange. Au-delà du local, c'est le saison en termes de fruits et légumes qui va beaucoup jouer là-dessus. Et en dernier, c'est tout ce qui est chauffage, climatisation, l'utilisation d'un bâtiment, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour vous mener à des pistes de réflexion, d'action. Oui, et pour ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat, et même ceux qui connaissent mais qui n'ont jamais fait, c'est vraiment très, très instructif et hyper intéressant, en fait. C'est un jeu composé de 42 cartes qui permet de poser en fait des liens de cause à effet du changement climatique. Alors, pour le gin, pour fabriquer un gin, il faut l'équivalent de 285 douches. Une douche, c'est combien de litres? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, 40 litres. Une douche, 40 litres? Ouais. En moyenne. Non. Il y a... Si. Ils ont pris la partie basse de la fourchette qui serait entre 40 et 60 litres d'eau pour une douche. Et un bain? À partir de 40, j'avais regardé justement suite à l'échange qu'on avait eu là-dessus, c'est à partir de 40 jusqu'à des centaines, une centaine de litres, il me semble. C'est assez hallucinant pour un bain. Et donc, en fait, voilà. L'idée, c'était, bon, évidemment, donc ça permet de mettre en lumière ce qu'on consomme pour une douche, mais aussi et surtout pour un gin. Revenons au sujet, tu as raison. Justement, je voulais revenir sur le sujet là du gin. Ils utilisent une grande quantité d'eau, mais ils font un seul gin avec, et après l'eau, ils la jettent, ou il y a une espèce de boucle, en fait, où l'eau, quand même, est réutilisée pour faire les gins en continu? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je ne sais pas. Ah, Carole. Je crois que... Ouais, mais moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie textile. Ah, vas-y. Et donc j'ai vendu des jeans, entre autres. Enfin, j'étais pas vendeuse, mais je sais quand même qu'il y a des. En fait, je pense que la consommation pour le jean, c'est quand il y a les délavages, en fait. Donc ça dépend du délavage du jean. Plus le jean est brut, moins il y a de délavage et moins il y a d'eau. Et aujourd'hui, il y a quand même des sociétés, enfin des fabricants, des délaveurs qui utilisent de moins en moins d'eau. En fait, voilà. Bon. Après, on parle aussi de. Je pense que derrière, il y a aussi la matière première qui est le coton. Oui, ouais, sûrement, d'accord. Ouais. Et du coup, qui consomme énormément d'eau pour la culture du coton, le tissage et tout ce qu'il y a derrière, en fait. Mais voilà, ça c'était un peu la question pour mettre le doigt aussi sur la mode, en fait, hein, tout ce qui est vestimentaire et le fait que ça aussi, ça a un impact. Et que c'est aussi important, en fait, de savoir ce qu'on porte, ce qu'il y a effectivement dans notre armoire, ce qu'on met, ce qu'on ne met pas, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut vendre. Voilà, ça appelle peut-être à faire du tri, à réaliser que quand on achète un vêtement, ce n'est pas anodin. Derrière, il y a de la consommation d'eau, mais pas que. Il y a la consommation de ressources. Hein. Il y a parfois des personnes qui travaillent dans des conditions exécrables. On en revient aussi, comme les ressources numériques, en fait. Quand ce n'est pas fabriqué en France, que c'est fabriqué, ça peut être fabriqué ailleurs en Europe et dans des bonnes conditions. Hein. Mais quand ça vient de très très loin, généralement c'est fabriqué dans des conditions que nous, Français, en fait, on n'accepterait pas. Donc c'est aussi intéressant de se poser la question avant d'acheter un vêtement, savoir, il coûte pas cher du tout, mais derrière il y a peut-être quelqu'un qui paie le prix différemment de ce que je paie moi. Tout à fait. Il y a Edeni qui a fait une excellente conférence à ce sujet sur la mode responsable. En faisant intervenir des personnes, ouais. Notamment du mouvement slow fashion, etc. Je vous invite à l'écouter si vous avez le temps en audio. Quels sont les freins principaux donc au démarrage de la transition écologique? Vous avez presque tous répondu à le manque de connaissances, de confiance et d'accompagnement. Ce serait intéressant d'avoir l'avis du joueur qui a répondu que ça ne servait à rien à l'échelle de l'individu. Je crois que c'est moi.
En fait, moi, je pensais que cette question, en fait, les trois réponses étaient bonnes pour moi. Ouais. C'est rigolo que tout le monde ait répondu le manque de confiance, connaissance, confiance et d'accompagnement, parce que la plupart du temps, quand j'en parle autour de moi à mes proches, souvent la réponse, c'est plutôt celle de droite. Et on me dit, ce que tu fais, ça sert à rien, en fait, à l'échelle de l'individu, parce que bon... Il y a tellement d'autres entreprises qui polluent que ce n'est pas parce que tu es zéro déchet ou minimaliste ou que tu achètes sur le bon coin que tu vas changer la face des choses. C'est marrant. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que ça ne sert à rien au niveau de l'individu parce que notre petite action, elle va être tellement minime qu'elle va complètement passer inaperçue. Sauf que ben, c'est la théorie du colibri. Hein. Exactement. Et d'autre part, je pense que le manque de connaissances sur des personnes qui vont me dire ça ne sert à rien, toi individuellement, ça ne sert à rien de ce que tu vas faire, si on connaissait plus. Et si on avait plus confiance dans les chiffres et dans tout ce qu'on peut avoir, et ça c'est un premier, ce qu'on fait, le quiz aujourd'hui est un bon pas en avant, on aurait plus d'arguments pour faire face à ces personnes qui se cachent derrière cette réflexion pour ne rien faire. Oui, aussi. Tout à fait. Et la réflexion de gauche aussi d'ailleurs. Tout à fait. Aussi, elle est valable, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Ouais, tout à mais, fait. Mais je pense que là, pour refaire un lien avec le Covid, je pense que le changement de pratique, il va être beaucoup plus facile maintenant à montrer qu'après le confinement pendant 3 mois ou 2 mois, on a survécu et donc c'est l'urgence, elle va passer. Enfin, l'urgence était sanitaire et sociale dans un premier temps. Maintenant, l'urgence, c'est à moyen terme, ça va être le climat. Et là, il va falloir qu'on s'engouffre là-dessus à vitesse grand V pour montrer que c'est vraiment important. Enfin, les gens vont vite se rassurer, ils vont recommencer à reprendre leur vieille pratique pour se rassurer, pour se dire finalement, on est toujours vivant et tout va bien. Mais c'est là où il faut quand même les sensibiliser en disant, tu as bien vécu 2 mois sans dépenser, pourquoi tu ne continuerais pas à moins dépenser en tous les cas. Ouais. Bon, voilà, c'était... Non, mais c'est juste ce que tu dis. Pour rebondir sur la troisième réponse du ça sert à rien à l'échelle de l'individu, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Il y a une étude qui a sorti Carbone 4, toujours notre cher Jean-Marie Ancovici, en partie, qui s'appelle Faire sa part et qui nous précise que si tout le monde était d'excellents élèves partout dans le monde, on arriverait à un impact en termes d'émissions de CO2 uniquement, encore une fois, donc attention à cette donnée, sans parler de l'éthique, du social ou de la santé, des bienfaits sur la santé, on arriverait à un impact positif de l'ordre de 45%. 40-45%, ça veut dire que le reste, effectivement, ne dépend pas de nous. Et que c'est effectivement les industries, etc. Mais moi, je trouve que personnellement, de mon avis, 40%, ce n'est pas du tout négligeable. Et en fait, c'est par là que ça commence. Et c'est un peu l'esprit qu'on a, Cécile, moi, Marie, enfin voilà, tous ceux qui sont bien sensibilisés et qui transmettent aujourd'hui ça, c'est que ça commence par nous, comme dit Julien Vidal. Et en fait, derrière, c'est le fait de s'engager un peu collectivement autour de nous, juste de semer des graines. Tu vois, la personne qui va te dire « ça ne sert à rien ton zéro déchet », ça va potentiellement la faire réfléchir et elle va aussi agir plus tard, ou quelqu'un qui reste dans son entreprise, que ce soit Total ou autre entreprise, mais qui va essayer de changer les choses en interne, en menant des actions, en influençant son entourage, ses responsables, la direction, l'organisation, les produits, la conception des produits. Enfin, tout ça, c'est loin d'être négligeable. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Mais oui, effectivement, à l'échelle, tout seul, dans son coin, c'est pas suffisant, mais c'est indispensable. C'est ça, exactement. Si vous voulez réagir là-dessus. Ou... Carole, elle avait levé la main. Marie, tu dois... Ouais, en fait, je trouve que c'est génial comme réponse à apporter à ces gens-là, parce que c'est vrai que quand même c'est ce que les gens disent, ça sert à rien, tu es toute seule à faire ça, et où les gens disent ouais, mais quand même c'est quand même bien ça, c'est quand même difficile. J'ai l'impression que des fois on se bat sans, je mets ce mot-là, mais je trouve que c'est un peu agressif comme terme, contre des murs en fait. Et encore, il y a des gens qui vous écoutent et on voit qu'ils finissent par changer un petit peu, enfin qui vous écoutent ou qui entendent en fait. Ça, c'est pas histoire d'écouter, parce qu'on n'a pas du tout la, enfin, moi je suis loin d'être exemplaire,
Mais pour certains, je le suis, en fait. Il y a des gens qui pensent que... Parce qu'en fait, ils font rien du tout. Et donc, quand on fait un petit peu, déjà, on a l'impression de faire beaucoup pour eux. Mais je pense qu'on arrive quand même à donner le message à petit à petit, voilà. Par contre, quand on regarde, qu'on ouvre les yeux et qu'on va dans un autre univers ou d'autres personnes, on se dit, mais c'est peine perdue, quoi. Il y a des gens, même quand ils sont à 10 000 lieues, alors je ne sais pas comment toucher ces gens-là, en fait. Ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun mette enfin remplisse le verre de la personne qui est pas croyante, et à un moment donné, ça, le verre va déborder et il va être convaincu. Si chacun apporte sa petite contribution, ça va le faire. Et c'est vrai qu'au niveau de la confiance et de la connaissance, moi, il y a une phrase qui m'a complètement ravi quand je l'ai vraiment bien comprise, et il faut réaliser qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on l'emprunte à nos enfants. Donc, en touchant les gens, en disant, mais ça, c'est pour tes enfants que tu travailles, ou que tu vis, ou que tu pollues. Alors, il y en a qui vont répondre, je m'en fous de mes enfants, ou je m'en fous de mes petits-enfants, j'en connais. Mais cela, bon, cela, c'est irréductible. En plus, si c'est des vieux qui bougeront jamais, cela, c'est même pas la peine de se focaliser sur eux. Mais c'est plus sur les enfants et sur d'autres adultes. Et en touchant là, c'est une corde sensible quand même. Enfin, je pense que c'est la corde sensible de toucher les enfants, disons, ta pollution, ta consommation, ta manière de vivre, ça va impacter la vie de tes enfants. Je pense que ça fait partie des arguments qui peuvent toucher certaines personnes. Il y a aussi un certain nombre d'associations, mais pas que, des entreprises qui se montent pour sensibiliser des personnes qui sont les moins touchées par la pollution, entre guillemets, touchées point de vue sensibilité, mais plus par un côté économique, donc dans les quartiers, quartiers prioritaires notamment. Et qui, comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est, je crois que c'est en partie Zero Waste qui propose ça, mais pas que, d'accompagner en fait des familles qui sont dans le besoin, et notamment dans une démarche zéro déchet. Et ces familles-là qui rentrent dans cette démarche zéro déchet, elles, à la fin de plusieurs mois de tests, elles arrivent enfin à payer leur facture. Les familles zéro déchet, les défis familles zéro déchet. Exactement. C'est ce que tu sais. Marie, elle fait ça près de Marseille. Elle l'accompagne, il me semble. Et il y a des personnes, notamment dans la région de Lille, qui étaient deux ou trois chez eux et qui n'arrivaient pas à survivre économiquement. Et en découvrant le zéro déchet et tout ce que ça apportait, malgré le cliché de « c'est fait pour les bobos parisiens », ils sont venus à faire des économies. Donc, il faut vraiment arrêter d'imaginer que c'est pour les bobos parisiens, quoi. Même si, oui, il y a des produits zéro déchet qui sont hors de prix, mais il y en a d'autres qui sont… Enfin, il y a une philosophie, en fait, du zéro déchet qui est fausse. Et voilà, il est important de la revoir. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a certaines populations qu'on peut toucher vraiment par ce biais-là, en fait, le fait que oui, on fait des économies quand on fait du zéro déchet, parce qu'en fait, on arrive à appréhender toute notre consommation de façon complètement différente. Voilà, et on a d'ailleurs, c'est le cas entre Corinne et moi, et Marie qui se cache aussi derrière l'écran, animons des bootcamps Edeni, et les alumni du bootcamp Edeni sur les 8 premières sessions qui ont eu lieu d'une vingtaine de personnes ont révélé par un sondage que chacun faisait environ 2000 euros d'économie par an en étant zéro déchet, entre guillemets, sachant que voilà, enfin, moi personnellement, j'essaie de réduire au maximum mes déchets, mais je ne suis pas zéro déchet, par exemple. Ouais, c'est en appliquant les principes un peu qu'on transmet pendant le bootcamp, en fait, effectivement. Donc, pas que les zéro déchet. Ouais. Ensuite, ah oui, bon, ça c'était voilà, pour un peu répondre à la question d'avant, entre guillemets. Combien d'heures libres avons-nous en moyenne par semaine? C'est un petit calcul qu'on s'est amusé à faire. Hors sommeil, tâches ménagères, repos, famille, loisirs, travail. Donc, on a inclus des heures dedans de sport, tout ça. Donc, tout ce temps-là, en fait,
qu'on a mis de côté, combien il nous resterait d'heures dans la semaine. Oui, effectivement. Donc là, on a des réponses très variées. C'est hyper intéressant. Alors, il faut savoir que dans le calcul pour travail, on a utilisé 35 heures. Donc là, en ce moment, pour les gens qui travaillent dans le médical, je pense que effectivement le calcul est autre. Mais en tout cas, voilà, en moyenne, on a minimum 30 heures de dispo à la semaine. Et ça me permet de rebondir par rapport à la question d'avant, où le terme transition prend tout son sens, je trouve, parce que en fait, ce qui est compliqué aussi, et ce que disent la plupart des personnes, c'est cette fameuse phrase que tout le monde a entendue et utilisée, je pense, parmi nous, c'est « je n'ai pas le temps ». Et cette phrase, en fait, c'est une phrase que, en tout cas, de mon côté, j'essaie de dire de moins en moins, parce que c'est vraiment une histoire de priorité, c'est une histoire de volonté aussi, et c'est dur hein, de se dire bah, qu'on a le pouvoir en fait sur notre temps libre, et c'est des choix qu'on fait. Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant à aborder, parce que ce qui est compliqué donc, dans une transition, j'y reviens, c'est justement la phase de transition, la phase de petites modifications d'habitude, que ce soit bah, oui, le lombricompost, apprendre à s'en servir, et donc au début on va tâtonner, etc. Et derrière, hop, c'est bon, je vais savoir gérer, et on en arrive au niveau, si je peux dire, même si j'aime pas ce terme, de Marion qui, ok, moi il n'y a pas de souci, ça roule, j'arrive à m'en servir tous les jours et j'ai pas de souci. Et en fait, c'est vraiment cette phase de transition où il y avoir un réaménagement du timing, des habitudes, et ces heures-là, elles vont pouvoir servir à ça, en fait. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'on a autant de temps, en fait, finalement, et que derrière, on en aura encore plus pour faire d'autres choses que ben, d'aller acheter des vêtements neufs, par exemple, parce qu'on n'en aura peut-être pas besoin, en fait. Ouais, moi, je pense que je rejoins ce que vous disiez, quand on veut, on peut, en fait, c'est une sorte de choix et de priorité. Et après, juste, je voulais partager une touche d'optimisme. En fait, j'ai lu dans un article, là, pendant le coronavirus, que quand on était en quarantaine avec des gens, si j'ai une positive attitude, ben, les gens autour de moi, ben, ils vont pouvoir avoir une positive attitude. Si j'ai un comportement zéro déchet ou presque zéro déchet ou un peu engagé, je peux véhiculer ce genre d'influence en fait sur mon entourage. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça encourageant. Voilà. Donc ça parle complètement, et le fait, le colibri en fait partie, mais chacun à notre échelle, nos actions font réfléchir les autres. Évidemment, tout le temps. Enfin, moi, je sais que par exemple, quand je vais je n'y vais plus évidemment, mais quand ça m'arrivait de déjeuner au restaurant, je viens avec ma serviette en tissu, et ça amène beaucoup de questions et beaucoup de débats, et rien qu'avec ces petites actions qui ont l'air de rien, et moi ça me coûte rien d'avoir tout le temps ma serviette dans mon sac à main, on sème des graines, et je pense que c'est ça qui est aussi réjouissant en fait dans les approches qu'on a, en fait, le fait de se dire que c'est pas vain, c'est jamais vain. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui, et si jamais vous voulez suivre les actualités d'ailleurs, Corinne et les miennes, sur les bootcamps, on a la page Facebook. Ouais, je l'ai envoyé tout à l'heure, mais voilà, où on met ce genre d'infos, à savoir les quiz, mais pas que, justement les partages, on a parlé d'imago, on parle de petites on essaye de faire des trucs utiles. Ouais, on essaye. N'hésitez pas hein, si vous avez des suggestions d'ailleurs. Ouais, complètement. Qui manque, etc.